questions pour un champion et un face-à-face qui oppose ce soir Daniel et Alexis. Bonne chance. Bonne chance. Et j'en suis sûr, ça va être un beau match. Je le sens, je le sais. D'abord, vous avez fait un beau parcours tous les deux, y compris au 4 à la suite, 3 points tous les deux. Et vous avez un point en commun, c'est que vous jouez tous les deux ce soir pour une première victoire dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de notre cagnotte. Qui en est où? Eh bien, on va regarder. Elle est ce soir à 16 600 euros. Voilà pour notre cagnotte. 20 secondes à chaque question pour répondre. Et la première, le premier qui arrive à 12 points sera champion ou championne ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, ceci. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Et merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous tous les soirs dans Questions pour un champion à 18h10. J'espère que vous passez une belle semaine et puis un bel été. Également, Daniel, vous avez la main pour une première question de gastronomie. Voici un indice juste pour vous à la maison. Je prends. Très bien. Attention, ça va démarrer. Top action. Associée dans le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas à l'histoire du chevalier d'Albignac, je peux être faite pendant ou après la cuisson et être rectifiée. Dépendant de chaque cuisinier qui utilise des doses différentes en fonction de ses goûts, je suis réalisée en employant du vinaigre, du sel, des aromates ou des épices. Action d'ajouter à un mets des ingrédients propres à en relever la saveur. Saucé. Non, la main passe. Top. La main passe. Allez-y Daniel, buzzer, buzzer, buzzer. Épicé. Non plus. Peut-être une dernière chance pour Alexis, attention. Top Alexis. Assaisonné. Assaisonné, exactement. Action d'ajouter à un mets des ingrédients propres à en relever la saveur. L'assaisonnement, assaisonné, exactement. Joli petit match de ping-pong à l'instant. Un premier point pour Alexis. Une nouvelle question d'histoire, voici pour vous. Alexis. Je laisse la main. Très bien. Vous cherchez tout de maintenant cette... Top, homme politique français né en 1754. J'ai dit avoir en moi quelque chose qui porte malheur au gouvernement qui me néglige. Ayant servi plusieurs régimes de Louis XVI et Louis-Philippe, j'ai mené une carrière diplomatique et inspiré plusieurs accords, dont le Concordat de 1800... Talleyrand. Talleyrand, exactement. Ayant joué un grand rôle lors du congrès de Vienne après la chute de Napoléon, à laquelle j'ai contribué, je suis surnommé le... Diable boiteux. Boiteux, ouais. Exactement. Talleyrand. 3 points, on était dans la zone des 3 points, Alexis, ils sont pour vous. De la littérature maintenant, c'est Daniel qui a la main. Je tente. Top, romancière, née en 1959 à Châteauroux, diplômée en droit international, j'ai publié Vue du ciel, mon premier livre en 1990. Ayant obtenu le prix de Fleur pour Rendez-vous, refusé le prix ça... Amélie nous tombe. Non. Top le prix SAD en 2012 pour une semaine de vacances. Je poursuis une démarche autobiographique depuis mes débuts. Propulsé sur le devant de la scène littéraire en 1999 avec l'inceste. J'allais dire Gavalda, mais je dis Gavalda, mais... Non. Top, j'ai publié en 2015 Un amour impossible. L'inceste, un amour impossible, c'est Christine Angot. Oui. Une question de cinéma à présent. Voici pour vous à la maison, Alexis. Cinéma. Je laisse la main. Quelle est... Top, cet acteur et réalisateur né en 1901, j'ai reçu en 1971 l'Ours d'or du Festival de Berlin pour le jardin des Finzi Contini. Débutant en 1932 comme acteur et 8 ans plus tard comme réalisateur dans Rose écarlate, j'ai joué mon propre rôle dans le film Nous nous sommes tentés. Marcel Aimé ? Non. La main passe. Top, Nous nous sommes tant aimés, Ettore Scola m'a dédié l'année de ma mort en 1974. Cinéaste italien ? Risi ? Non plus. La main passe. Top, rattaché au néo-réalisme avec des drames. Visconti ? Non plus, la main passe à nouveau. Top des drames sociaux comme Le voleur de bicyclette, je suis... De Sica. Vittorio De Sica, exactement. Un premier point pour Daniel, qui je vous le souhaite en appellera d'autres Daniel. De Sica, exactement, de la santé médecine maintenant, avec cet indice et une main qui est à Daniel. Je prends. Top, élément père du corps humain. Pouvant être atteint par la maladie de Kervin, je ne contiens pas de muscles, mais je suis traversé par des tendons qui me permettent de me plier, me déplier ou de tourner. Articulé avec le métacarpe, constitué de 2 phalanges, ma position en opposition aux autres doigts de la main permet à l'être humain de saisir des objets avec un mouvement de pince. La pouce, le pouce. De pince, le pouce, c'est bien ça. Alexis l'avait, mais n'avait pas la main.
Le pouce. Premier des doigts de la main, le plus court et le plus gros. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Le pouce. Deux points de plus, Daniel. Daniel qui revient au score. Alexis qui a toujours l'avantage d'un point et qui a la main pour une question. Alexis, d'art, c'est de l'art. Un indice. Alexis. Je laisse la main. Vous cherchez tous deux maintenant ce top peintre autrichien, né en 1890, je fonde en 1909 le groupe Art Nouveau après avoir été exclu de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. D'abord influence... Balthaus. Non. Top influencé par Gustav Klimt en 1910, mon style devient expressionniste, dessinant. Mondrian. Non plus. La main passe. Top au crayon noir des portraits, des autoportraits, je peins. Egon Schiele. Egon Schiele est la bonne réponse. Dessinant au crayon noir des portraits, des autoportraits, je peins à l'aquarelle, à la gouache, des personnages au corps crispé, sur des fonds dépouillés, des nus à l'érotisme provoquant également, qui me valurent d'ailleurs la prison, Egon Schiele, exactement. Daniel, vous avez la main pour de la musique. Voici l'indice. Non, laisse la musique. Top. Chanson, sortie en 1975 sur la face A d'un 45 tours vendu à 1 million d'exemplaires. Petit Papa Noël. Non. Et on peut tenter, on ne sait jamais. Ah oui. À mon avis, ça a dû se vendre à quelques exemplaires. Hein. Plus, d'ailleurs. Top, j'ai fait la fortune de mon auteur, compositeur, interprète et producteur. Inspiré par La Martinière, une maison achetée dans la banlieue parisienne dans laquelle il avait installé un studio d'enregistrement, j'évoque l'atmosphère paisible d'un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Chanson de Nino Ferrer. Le Sud. D'abord écrite en anglais sous le titre South, le Sud. Daniel, un point de plus. Daniel qui accroît un peu son avantage. C'était Alexis qui menait tout à l'heure. Rien n'est joué, bien sûr. Alexis, vous avez la main. C'est une question, et vous n'en manquez pas tous les deux, de culture générale. Alexis. Je laisse la main. Quel est, top, ce mot composé, apparu vers 1800, désignant un type d'individu. Je viens d'une question posée par les acteurs entre eux pour évoquer leur apparition sur scène dans un rôle ou le succès qu'ils ont eu. Formé d'un pronom personnel et l'idée d'un auxiliaire, d'un autre pronom personnel et d'un participe passé. Tour de rôle. Non. Top est un participe passé, je suis employé comme nom, éventuellement comme adjectif. Mot composé servant à désigner une personne vaniteuse, qui se montre, qui veut qu'on la voie. M'as-tu vu. Ah, voilà. M'as-tu vu. Comme c'est pas notre cas, on ne pouvait pas savoir. Non, exactement, exactement, Daniel et Alexis. Vous ne l'êtes pas, m'as-tu vu. Non, mais c'est bien ça. Mais c'était le dernier mot qui donnait la réponse. Hein. Personne qui veut qu'on la voie. M'as-tu vu. Animaux. Daniel à la main, il me confiait son intérêt sur la science naturelle, tout ça. C'est pour vous, attention. Top animaux, également appelés holothuries, appartenant à l'embranchement des échinodermes. On appelle ça aussi les concombres de mer. Mais oui. Il y en avait plein. Ça n'est pas l'un de vos points forts pour rien, hein, tout ce qui est, vous nous disiez, les... Mais j'aime bien regarder. Les petites bêtes, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors... Cocombre de mer, mais c'est vrai, on peut l'appeler biche de mer, tripang également. Daniel n'est plus qu'à un point d'une éventuelle victoire ce soir. Alexis n'a pas dit son dernier mot. Non. Alexis, c'est une question de sport, c'est l'un de vos points forts, mais Daniel aussi, bien sûr. Alexis, sport. Non, je laisse la main. D'accord. Top sportif né en 1960 à 23 ans, je remporte le championnat de Formule 3 de Grande-Bretagne après m'être distingué dans le championnat de karting d'Amérique du Sud à la fin des années 60. Loeb. Non. Top 70, considéré comme l'un des plus brillants pilotes de l'histoire de la Formule 1, j'ai remporté 41 victoires en Grand Prix et 3 titres de champion du monde entre 1988 et 1991. Pilote brésilien célèbre pour ma rivalité. Nelson Piquet. Et non. Ah mais non. Ne dites rien. Top pour ma rivalité avec Alain Prost. Senna. Ayrton Senna, Daniel, c'est une victoire. J'ai gagné. Oui. Oh. Alors. Daniel. Alors, je voudrais remercier tous les amis de mon club qui m'ont bien entraîné. Mais vous semblez si surprise de cette victoire, oui, Daniel. Oui, parce que là, je viens de faire un concours mercredi. C'était pas brillant. Eh ben, bravo. En plus, Ayrton Senna, c'est ça que vous vouliez dire, Alexis, je l'ai vu. Oui, c'est... Ah, c'est dommage. Il y avait 4-0. Alexis menait 4-0. Il y a eu 12-4. Daniel est resté bien concentré. Ça a été un beau match tous les deux et je veux vous en remercier parce que c'était vraiment très sympathique de jouer avec vous. Merci, Alexis. Daniel, pour commencer, ce cadeau.
Le Grand Hôtel La Cloche vous offre un week-end de détente. Profitez d'un séjour dans un établissement 5 étoiles au cœur du centre-ville historique de Dijon. Daniel, première victoire. Un beau week-end, 500 euros. Tout ça, c'est gagné. On peut s'arrêter là, bien sûr, c'est votre droit. Mais vous pouvez, c'est aussi votre droit, rejouer, tenter une deuxième victoire pour 1000 euros, alors que vous êtes à 4 marches de notre cagnotte de 16 600 euros. Daniel, je vous laisse 5 secondes pour que vous puissiez prendre cette décision. Daniel ? Je vais essayer pour une deuxième fois. Ah, on retrouve Daniel, ce sera lundi prochain. Venez Alexis, venez Daniel. Merci. On se retrouve lundi avec Daniel, mais demain, à question pour un super champion, à 17h55, bien sûr. Encore merci Alexis. Bravo Daniel. Bravo. À lundi. Passez un bon week-end. Prenez bien soin de vous, c'est important, des autres aussi. À demain.